Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avouons-le, on n'est pas toujours parfait. En tout cas, dans mon cas, je le suis pas, puis mes élèves sont plus qu'au courant. Parfois, j'ai besoin d'un petit coup de pouce pour arriver à mes fins, que ce soit pour mieux enseigner, que ce soit pour augmenter l'engagement de mes élèves en classe. Des fois, j'ai besoin d'un petit plus, puis je suis toujours à la recherche de solutions pour y arriver. C'est là qu'AlloProf entre en jeu. Je dois admettre qu'ils sont pas mal meilleurs que moi. Dans cette vidéo en collaboration avec AlloProf, découvre les trois moments où AlloProf a été meilleur que moi. Ça t'est-tu déjà arrivé d'oublier tes exercices pour une période? De réaliser que tu les avais pas imprimés à la dernière minute quand il était trop tard? Non? Menteur! Dans mon cas, ça arrive fréquemment. Je sais pas pourquoi, mais au nombre de choses auxquelles je pense dans une journée, j'oublie tout le temps. AlloProf m'a sauvé la vie plusieurs fois grâce à leurs exercices en ligne. Peu importe la notion que tu veux enseigner ou travailler, il y a toujours un exercice en ligne de disponible sur leur site internet. Parfait pour les imprévus. En fait, c'était pas vraiment un imprévu, c'était plus que j'étais mal organisé. Je vais être honnête avec toi, je planifie régulièrement des périodes où je mets les exercices d'AlloProf. Puis j'adore ça. Fini les photocopies, fini les oublis. Cette année, j'ai un élève qui refusait de lire. Peu importe, c'était toujours... Non, j'aime pas lire, c'est trop difficile pour moi, je trouve rien dans mon goût. Tout a changé lorsque je vais présenter le jeu Grimoire disponible sur le site d'AlloProf. Grimoire, c'est un jeu interactif parmi plusieurs autres jeux sur leur site internet dans lequel les élèves sont amenés à lire des livres, des parties de livres, des textes, parfois c'est même des vrais livres, dans une application pédagogique, puis à fur et à mesure qu'ils avancent dans le jeu, ben ils répondent à des questions de compréhension. Le jeu Grimoire permet de travailler la compréhension de texte, puis de développer son éventail de lecture grâce à tous les textes variés qui sont disponibles dans l'application de manière gratuite sur le site d'AlloProf. Puis depuis que je lui ai présenté le jeu Grimoire, mon élève n'arrête pas de lire, me demande toujours un nouveau livre, veut toujours aller jouer à Grimoire aussi. Ils ont tout plein de jeux sur leur site, mes élèves adorent, mais cette fois-là, AlloProf a su insuffler le goût de lire à mon élève, puis j'étais vraiment content de ça. On l'a tous vécu, puis certains le vivent encore, mais le confinement a été difficile pour tous. Je savais pas trop comment m'y prendre pour aider les parents à la maison à distance pendant le confinement. En recherchant sur internet, je suis tombé sur la zone parents de chez AlloProf. La zone parents, c'est quoi? C'est une foule d'articles et de conseils destinés à aider les parents à faire étudier les enfants, à les amener à mieux apprendre à la maison, ou tout simplement à mieux vivre avec leur enfant par rapport aux études puis par rapport à l'école. Que ce soit des stratégies d'études, des stratégies de télétravail pour concilier télétravail et école à la maison, tout s'y retrouve puis c'est vraiment une belle plateforme numérique où les parents peuvent trouver conseils puis peuvent être rassurés que c'est difficile pour tout le monde mais qu'il y a au moins quelqu'un qui pense à eux pour les aider à la maison. Puis grâce à cette magnifique ressource d'AlloProf, ben j'ai pu aider les parents de mes élèves à distance en leur proposant des outils sur le site. Pour ceux qui me connaissaient, j'aime pas ça de l'avouer, mais AlloProf a pas mal souvent raison. Malgré toutes mes connaissances et mon expérience, je me retrouve toujours sur le site d'AlloProf pour trouver des nouvelles idées, des nouvelles ressources pour m'aider dans mon enseignement puis pour continuer à me développer professionnellement. Justement, je vais aller finir de planifier une activité de la semaine prochaine puis je vais aller faire un tour dans mes courriels pour voir si j'ai reçu l'infolettre spéciale pour enseignants de AlloProf. Si t'es pas encore abonné, je t'invite à aller faire un tour sur leur site pour t'abonner parce que c'est là-dedans que j'ai découvert tous les outils dont je vous ai parlé aujourd'hui dans la vidéo et aussi tout plein d'autres outils pour continuer à m'améliorer. Bye tout le monde! Merci d'être rendu jusqu'à la fin de ma vidéo. Si jamais tu l'as aimé, tu peux me laisser un j'aime en cliquant sur le pouce juste en dessous de la vidéo. N'oublie pas de t'abonner aussi en cliquant sur le bouton ainsi que sur la cloche pour ne manquer aucune notification lorsque je publie des vidéos. Et si jamais tu les as aimées et tu vas en écouter d'autres, tu as juste à cliquer sur les deux vidéos qui apparaissent ici ou tu peux tout de suite t'abonner en cliquant sur le rond qui apparaît juste là. Merci de me supporter, n'hésite pas à partager et on se voit une prochaine fois. Bye!